Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc là je récolte un petit peu d'or, un petit peu d'élixir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle attaque qui permet de gagner. Comme vous avez vu sous le titre qui s'appellera sûrement Barbare Archer 20 millions, 5 millions par jour, un truc comme ça, comme gagner 5 millions par jour. Parce que, tout simplement parce que là j'ai trouvé en quelque sorte une technique qui permet de gagner ben, beaucoup beaucoup d'or et beaucoup d'élixir. Et de l'élixir noir aussi, entre autres, si vous en voulez. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo personnellement. Enfin, vous avez l'impression que j'en fais toutes les semaines, mais en fait, la dernière fois que j'en ai fait, ça fait depuis mi-décembre. Et ça fait quasiment, ouais, je crois que ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc ça fait quand même assez longtemps. Bref, donc, vol d'or, regardez, là, j'ai 3 millions, 3 millions, 35 millions, comme vous voyez. 35 millions, donc après il y a 3 à 3, ouais, voilà, 35 millions. Alors que, donc là, je filme actuellement la vidéo samedi, donc vous allez la voir mardi sûrement, à 18h donc. Je filme ma vidéo samedi, donc mercredi, j'ai commencé cette technique que j'ai découvert. Donc 3 millions, 35 millions, et quand j'ai découvert cette technique, donc c'était mercredi, j'avais 15 millions. Donc en gros, je me suis fait 20 millions en 4 jours, donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo 5 millions par jour. Voilà, je me suis fait 20 millions d'or et d'élixir parce que l'élixir c'est pareil, j'avais à peu près 14 millions à peu près par là. Et donc voilà, 20 millions de chaque. Après pour l'élixir noir aussi j'en ai gagné pas un petit peu. Alors l'élixir noir attendez, j'en ai voilà, la dernière fois c'était à 20 000. Et là je suis déjà à 21 000, donc j'ai gagné 1738. 1738 d'élixir noir, donc c'est quand même pas mal, c'est mieux que rien. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc ma technique est très simple. En fait, vous faites un full barbare archer. Full barbare archer. Alors, comment vous allez faire? Là, c'est pas la technique que je vous donnais avant où il fallait juste voilà faire un semblant de rush et espérer récolter un petit peu de répéter un peu d'élixir. Non, là, vous allez former. Donc là, je vais attaquer. Pendant ce temps, comme ça, je vais chercher 2-3 villages pendant que je parle. Vous allez former 200 troupes. Donc, 100 archers, 100 barbares, en gros. Ou à peu près quoi. Regardez, moi j'en ai 122 et alors celui-là est pas mal et 78 archers. Donc celui-là est pas mal, j'ai envie de tester. Après l'or elle est là, ok. Ouais, on va tester. Ouais, on a le temps. De toute façon, j'ai boosté les casernes, donc ça va, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais essayer de. Je pense que je vais récupérer un maximum d'or et d'élixir, enfin une grande partie en tout cas. Je pense. Donc voilà, on récupère l'or et l'élixir. Ah, par contre au niveau de l'élixir ouais il y a quand même pas mal, j'ai quand même mis pas mal de troupes là. Ah, il y a pas grand chose là, il y a pas grand chose, j'ai un petit peu mal joué. Bon bref, donc voilà, vous allez former 200 troupes quoi, et avec ces 200 troupes donc voilà, pour former archer et barbare c'est à peu près 30 minutes à peu près, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, c'est 30 minutes environ pour former ces troupes, et donc en gros vous allez attaquer toutes les 30 minutes. Ce qui en gros, ben, vous allez pas jouer, si vous voulez, comme un dingue. Vous allez jouer en gros toutes les 30 minutes en faisant une attaque. Donc en gros, toutes les 30 minutes, vous allez chercher une attaque qui va vous permettre. Donc là, j'ai très très mal joué. Heureusement que j'ai boosté mes casernes. Donc attendez, je relance juste, après je reparle de mon sujet. Je relance juste les archers et les barbares. Donc vous voyez, j'ai boosté les casernes, donc comme ça va assez vite. Donc en gros, dans 5 minutes, il y aura tout mis. Enfin, il y aura les archers, les barbares déjà tout fait, donc. Vous verrez. De toute façon là j'en ai déjà 60 je crois à peu près. Voilà 60. 60 piles. Donc je dis donc voilà, vous faites. Ensuite voilà, vous allez vous connecter toutes les 3 minutes. Et là vous allez chercher une attaque où il y a beaucoup d'or et d'élixir dans les extracteurs et dans les mines. Et beaucoup d'élixir noir si vous en voulez. Mais l'élixir noir c'est vraiment à part parce que souvent ça monte assez vite. En plus là on a une deuxième, excusez-moi, une deuxième foreuse. Donc ça va vraiment très vite je trouve. Et donc voilà comment obtenir un maximum d'or et un maximum d'élixir. Donc en gros vous allez faire ça toutes les 3 minutes. Donc moi c'est ce que j'ai fait voilà depuis mercredi. Et je me suis fait 5 millions par jour en gros quoi. 5 millions vous imaginez. Alors qu'en plus j'ai l'école tout ça. Donc voilà, vous y jouez 30 minutes. En gros vous arrivez chez vous, vous faites une attaque. Parce que vous avez déjà lancé, vous archez vos barbares le matin avant de partir. Ensuite vous allez ensuite vous attaquez donc, ensuite vous formez comme j'ai fait. Et ensuite vous partez, par exemple vous faites vos devoirs ou vous allez goûter. Vous revenez 3 minutes après et vous attaquez. Et là vous avez 200 archers et barbares prêts.
et vous allez pouvoir trouver voilà des bons villages avec pas mal de ressources. Donc là je vous montre un petit peu mes attaques, là 30 000, 30, là on a gagné 30 000, c'est pas énorme. Bon, il y a quand même un bénéfice au niveau de... Non, il y a quand même un bé... non, il y a pas de bénéfice au niveau de l'élixir, parce que c'est quand même 20 000 à former, ou à peu près 30 000 à former. Mais sinon, voilà, 75 000, 52 000. Bon, j'avoue, c'est pas des très grandes attaques, mais regardez celle-là. 200 000 de chaque. 200 000 de chaque, donc voilà, c'est ces villages-là qu'il faut trouver. J'en avais trouvé pas mal avant, quand j'étais assez haut en trophée. Donc je vais vous donner aussi le nombre de trophées où il faut être pour trouver des bons villages. Donc là, voilà, 90 000, 43 000. Si vous voulez, je vous montre celle-là, si je peux. Ouais, je peux, donc je vais vous la montrer. Donc en gros il faut se positionner entre 1400 trophées, donc là où je suis un petit peu, mais bon c'est quand même limite, entre ce nombre de trophées là et 1700 1800 trophées. Là c'est le nombre de trophées où vous allez trouver des très bons villages comme ceci, comme celui-là là, des assez bons villages où les ressources sont dans les extracteurs et dans les mines parce que la personne ne s'est pas connectée depuis quelques jours. Là vous allez pouvoir récolter beaucoup d'or et beaucoup d'élixir, voilà, en mettant juste 200 archers, 200 barbares. Donc en gros vous vous connectez 3 minutes, toutes les 3 minutes, et vous récoltez voilà 200 000 à chaque fois. C'est vraiment énorme. Donc voilà, je vous conseille voilà de monter un petit peu en trophée. Moi je vous dis au moins 1600, mais même 1400 vous allez en trouver quelques-uns, même si c'est quand même 5 000. Bon, après 5 000 c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, mais bon après si c'est toutes les 3 minutes c'est quand même pas énorme. Après, si vous boostez vos casernes comme si vous voilà, excusez-moi, si vous boostez vos casernes comme moi, donc voilà, j'ai payé 30 gemmes pour 3 minutes, pour 2 heures, excusez-moi, 30 gemmes pour 2 heures. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que les archers, les barbares, au bout de même pas 5 minutes, ils sont formés. Donc en gros, vous attaquez toutes les 5 minutes des petits villages à 5 000 ou 200 000 si vous êtes à un nombre de trophées suffisant. Moi, là, vu que j'ai 1400 trophées, il faut que je monte un petit peu. Donc voilà. Après, voilà. Ce système que je vous ai donné, vous faites pas tout le temps des 50%. Enfin, cette astuce que je vous ai donnée, vous ne faites pas tout le temps des 50%. Donc c'est pour ça que des fois il faut, voilà, vous privilégiez un jour dans la semaine, par exemple, je sais pas, un jour de week-end, où vous allez rusher. Donc en gros, vous allez mettre 2 archers sur l'hôtel de ville, sur un village farming, pour remonter un trophée, pour remonter. Parce que moi j'étais quand même à 1700 trophées mercredi. Donc dès que j'ai découvert la technique, et là je suis quand même à 1400 trophées. Après j'ai trouvé 2-3 villages qui étaient assez sympas. Mais voilà, quand même, vous descendez assez rapidement trophée si vous faites pas 50%. Enfin, moi, des fois, ça m'arrive de faire 50%, mais des fois, regardez, on va aller dans le journal d'attaque, voilà. Voilà, 44%, donc des fois, c'est pas très loin. 44, 57, voilà, c'est pas très très loin. Des fois, 90, voilà. C'est pas très très loin souvent, mais voilà, des fois, on fait pas d'étoiles. Donc, on perd un trophée, donc voilà, je vous conseille. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire, voilà, en gros, ma technique que je vous ai dit. Toute la semaine et pendant un jour de la semaine, je vais, si vous voulez, rush comme ça, je vais monter en trophée à 1700 à peu près, 1700, 1800, et comme ça, je redescendrai au fur et à mesure en attaquant voilà des bons villages comme je vous ai montré. Donc là, je forme parce que là, je vais refaire une attaque. Donc vous avez vu, c'est formé super rapidement parce que je les ai parce que j'ai jamais les casernes. Donc là, je me dis que j'aurais dû profiter de ces offres. Donc voilà, des offres une gemme. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je pense que vous connaissez si vous jouez à Clash of Clans depuis pas mal de temps. Donc ces offres-là qui vous permettaient d'accélérer vos casernes pour une seule gemme au lieu de 10. Donc ça c'était vraiment pas mal. Bon, après 30 gemmes en plus, c'est pas non plus super cher au niveau de la rentabilité. Ouh là là. Regardez ce village, 200 000, là je vous fais un truc en live. 200 000, on va se faire 200 000. Mince, allez. Hop là, c'est parti. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est très très simple. Vous mettez les barbares. Et là, vous récoltez tout l'or et tout l'élixir. Regardez, ça va super vite. Parce qu'il y a tout dans les réserves, donc ça c'est vraiment super bien. Et voilà, vous mettez. Bon, après, voilà, il faut que je mette un petit peu d'archer aussi. Donc voilà, je pense que je vais faire un 50%. Donc vous avez vu, voilà, il y avait tout dans les réserves. Donc c'était assez simple de prendre de l'or et l'élixir. Je suis même arrivé à 4 millions d'élixir, vous avez vu, voilà. Juste pour cette attaque, j'ai gagné 200 000 de chaque. Donc vous avez vu, ma technique est quand même super bien. Bon là j'ai pas dépensé tous mes archers, tous mes barbares, donc parce que bah, tout simplement j'ai vu que ça suffisait ce que j'ai mis, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc voilà, en gros vous voyez s'il faut mettre beaucoup ou pas. Parce que là je vous dis une petite anecdote. En fait, voilà, je faisais cette technique et j'ai trouvé donc là je vais cliquer, enfin je crois que c'est bon, ouais c'est bon. J'avais trouvé un village où les ressources n'étaient pas protégées. Donc en gros, vous mettez un archer
aucune défense vous touchez. Donc j'ai trouvé un village pareil là, 200 000 de chaque. Et j'ai mis juste 34 archers et j'ai gagné 200 000 de chaque. Vous imaginez, 34 archers, 200 000 de chaque, c'est vraiment énorme. Donc voilà, 200 000. 200 000 comme je vous ai dit, et là voilà, vous voyez, là j'arrive à 36 millions, 36 millions d'or volé, 35 millions bientôt d'extra volé, ça va vraiment très 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 vite. Comme je vous ai dit, j'ai 1,6 million d'or, voilà, ça va vraiment super vite, super vite. Super vite, donc là c'est en train de former, je crois que c'est déjà à 60, 90, voilà. En gros, si vous boostez vos casernes, en gros, vous enchaînez les attaques. Vous pouvez faire que ça, mais bon, après c'est 2 heures quand même, et c'est quand même 30 gemmes. Donc faut pas non plus en abuser. Mais je pense voilà que si vous avez un ou deux ouvriers de libre, je vous conseille voilà de faire cette technique pour voilà améliorer des choses, des défenses, tout ça. Donc là vous avez vu en plus, grâce à cette technique, depuis mercredi, je n'ai aucun ouvrier de libre. Aucun ouvrier de libre. Là, dans 3 heures j'aurai un ouvrier de libre, mais il sera pas libre parce que je vais lancer. Comme j'ai 4 millions d'élixirs, je vais lancer soit la caserne noire niveau 4, ou soit celle-là niveau 5 si je peux, ou sinon celle-là, là, caserne niveau 10. Et dès que le prochain sera libre, donc dans à peu près un jour, je crois, un jour et 4 heures, voilà, ce tour de sorcier, je lancerai sûrement un mortier, ou un canon, ou je verrai. Donc voilà, vous avez vu, ça va vraiment très très vite. Excusez-moi. Je viens de vous le montrer en live, ça va vraiment super super vite. Super vite. Donc voilà, vous boostez vos casernes si vous voulez. Moi je vous conseille de faire ça une fois le week-end par exemple. Donc voilà, une fois par semaine comme vous voulez. Mais en gros un jour où vous êtes là, où vous êtes assez actif, en gros pendant 2 heures, le temps de faire un maximum d'attaques, comme je vais le faire aujourd'hui. Et voilà, ça fait une heure, ça fait il me reste combien de temps? 40 minutes je prends à peu près. Attendez. Il reste 46 minutes. Et donc voilà. Et en plus de ça, parce qu'après il y en a qui vont me dire, ouais mais tu pourrais à la limite améliorer juste tes extracteurs et tes mines. Et là je vous dis tout simplement, déjà de 1, ben regardez le prix, là il est déjà beaucoup plus cher. 60 gemmes alors que moi j'ai payé juste 30 gemmes. Déjà, il est beaucoup plus cher. Ben après vous allez me dire, mais ça dure un jour. Ouais c'est vrai. Mais en plus de ça, c'est que ben, comme vous allez améliorer vos extracteurs et vos mines. Mais tout simplement, si on vous attaque, vous allez perdre vos ressources. Donc c'est pour ça que c'est pas top. Mais bon, après, si vous avez un bouclier, bon, après, le bouclier, c'est quand même de 12 heures. C'est rarement 24 heures. Enfin, il n'y en a pas de 24 heures d'ailleurs. Mais donc voilà. Moi, je pense que cette technique est super bien. J'ai à chaque fois susu, mais non, super bien. Super bien, donc voilà, vous voyez, juste. L'or et l'élixir coulent à flot. L'élixir noir aussi, un petit peu. Vous voyez, j'ai quand même récolté. Non, pas celle-là. J'ai quand même. Non, j'ai pas récolté d'élixir noir. Bon, après, voilà. Là, je vous montre aussi les déficits, j'allais dire. Ouais, un petit peu les côtés négatifs, si vous voulez. En gros, vous allez faire des attaques toutes les 3 minutes où vous allez gagner 200 000. Pour ceux que j'aime pas. Enfin, pour ceux qui vont pas augmenter leur caserne. Booster leur caserne. Mais des fois, vous pouvez vous faire attaquer. Donc, moi, ça m'arrive une fois depuis 4 jours. Vous allez perdre 300 000. Enfin, voilà. Quand même pas mal d'or et pas mal d'élixir, donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Même si à ce moment-là j'avais quand même 1,8 million d'or et d'élixir, donc c'était pas très très grave, mais voilà quand même. Mais sinon, ouais, vous êtes quand même gagnant parce que, ouais, vous êtes quand même gagnant parce que dans tous les cas, vous gagnez beaucoup plus. Oh, regardez là, il vous a pris 300 000, mais vous avez gagné 200 000 la dernière fois que vous avez attaqué, et en plus, donc voilà, vous gagnez vraiment pas mal. Donc en gros, par heure, moi j'avais compté ça un peu près. En gros, par heure, vous pouvez. Vous faites en gros 3 attaques. Donc, ça vous fait en gros 600 000 de bénéfices au minimum. Après, vous pouvez des villages à 300 000 des fois. Donc, en gros, voilà. Si vous connectez tous les 3 minutes, ça fait à peu près 1 million. Enfin, on va dire entre 600 000 et 1 million par heure. Donc, en gros, voilà. Si vous connectez quasiment tout le temps, 1 million par heure, c'est vraiment énorme. Et comme vous avez vu, voilà, en 4 jours, j'ai gagné plus de 20 millions. Plus de 20 millions d'or et d'élixir. Donc ça va vraiment très très vite. Donc là les troupes sont formées, on va attaquer. Je vous fais une petite attaque. Donc là je sais pas quelle est ma attaque, enfin c'est laquelle est ma attaque depuis que je tourne la vidéo. Je crois que c'est la deuxième, ou troisième. Donc voilà, ça va vraiment très très vite. Donc voilà, trouver des villages avec les ressources, avec les mines et les extracteurs remplis.
Et là, vous attaquez et vous bombardez avec les barbés, les barbés, avec les barbares, excusez-moi, et les archers. Donc là, on a quand même 5 000 de chaque, mais bon, on va essayer de trouver un village à 200 000, enfin, à 150 000 de chaque, allez, 150 000 de chaque, trouver un bon petit village pour avoir quand même un assez gros bénéfice. Donc ça bug, ouais, excusez-moi, c'est un petit peu bugué, là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment superbe. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo personnellement, mais bon, après ça, vous le voyez pas trop parce que je me suis bien organisé au niveau des programmations. Donc là, j'ai relancé Clash of Clans. Pourquoi? Parce que j'ai mis deux archers pour que ça aille plus vite, parce que sinon, vous allez attendre 2 minutes pour rien, parce qu'il va rien se passer, parce que les archers vont juste détruire l'hôtel de ville. Donc voilà, c'est pour gagner quelques trophées. Donc des fois, si vous voyez des villages, voilà, qui ont l'hôtel de ville en dehors, bah, n'hésitez pas, voilà, à récupérer quelques trophées. C'est toujours ça de fait. Voilà, j'ai mis 441 trophées, ça va. Voilà, entre 1400 et 1800, je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux, mais bon, après, voilà, plus vous montez, et plus vous avez de chances de perdre beaucoup d'or et beaucoup d'élixir si on vous attaque. Mais bon, après, allez, quand même 5 000 de chaque, là. Mais bon, après, voilà, après, quand même, quand on vous attaque, vous avez quand même, ça bug un petit peu, bon, excusez-moi, après, quand on vous attaque, vous avez quand même un bouclier de 12 heures, donc c'est quand même pas mal. Je vous conseille d'en profiter quand vous avez un bouclier de 12 heures, d'attendre bien 12 heures pour faire une prochaine attaque. Comme ça, vous pourrez. Ah, il y a encore un petit village, c'est superbe. Comme ça, vous pourrez. Alors, l'archer ne touche pas mes archers. Comme ça, vous pourrez garder votre or et votre élixir un peu plus longtemps, le temps que les ouvriers finissent leur construction. Donc là voilà, cette technique, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Je sais pas si je laisserai une semaine ou une semaine et demie, mais en tout cas, elle est vraiment pas mal du tout. J'espère qu'un maximum de gens vont regarder cette vidéo, vont pouvoir la regarder, j'espère que vous allez la partager à pas mal de monde pour que tout le monde la découvre, pour que voilà, tout le monde ait un petit peu, enfin, ait de l'or et de l'élixir, pour que voilà. Parce que personnellement, moi, Clash of Clans, je gagnais pas beaucoup d'or et pas beaucoup d'élixir, j'étais un petit peu déçu. Voilà, j'avais quasiment les ouvriers, les 4 quasiment, qu'ils étaient tout le temps, qu'ils étaient tout le temps, mais qu'ils étaient tout le temps disponibles, quoi. Ah, et 300 000 de chaque encore, oh là là, 300 000 de chaque, à peu près. Donc on met deux archers pour les trophées. Et on va attaquer donc le village, encore une fois. Très simple, donc vous faites le tour, hein. Archer barbare, c'est parti. Et voilà, l'or et l'élixir défilent à une vitesse pas possible. C'est vraiment énorme. Regardez, regardez ça. L'élixir, là, c'est pour l'instant, c'est l'élixir qui descend assez vite. Mais vous allez voir que l'or va descendre assez vite aussi. Voilà, je mets les barbares aussi, un petit peu. Et les archers qui restent. Ensuite, on va mettre, voilà, ça. Et ça, voilà. Donc, vous avez vu, l'or et l'élixir vont super vite. Là, j'ai gagné 200 000 déjà. Et ça continue, ça continue. Donc voilà, je vous ai fait 4 attaques magnifiques. Enfin magnifiques. Au moins 2 attaques magnifiques, les deux dernières là. Vraiment magnifiques. Bon, par contre, pour l'élixir, je n'ai pas récolté beaucoup. Ah, j'ai pas de... Ah, ouf. Regardez là, je pense que... Ouh, ça va être dur, ça va être dur. Je sais pas si je vais réussir à faire une étoile. Regardez les... Ouais, non, je vais pas réussir. Ah, dommage. Peut-être, peut-être. Ouais, je pense que je vais réussir. Attendez, 3. Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Donc, après, voilà, j'ai... Ouais, bon, quand même, 180 000 de... 160 000 de chaque, à peu près. Donc, c'est quand même pas mal pour ce qu'il y avait, tout ça. Voilà, je vous ai... voilà, comme je vous ai montré, magnifique technique d'attaque. Magnifique technique d'attaque. Donc, là, j'espère que vous avez partagé cette vidéo à tout le monde pour qu'ils peuvent bénéficier de cette technique. Donc, voilà, vous avez vu, Archer Barbare, tout est ami de vous attaquer. À part si vous boostez vos casernes, là vous attaquez ben, en gros toutes les 5 minutes, même pas. Parce que regardez là, j'en ai déjà 63 de formés. Donc voilà, c'est vraiment très très vite. En plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je remets un petit gameplay. Je mets celui-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais. Voilà, je me connectais de temps en temps sur Clash of Clans, mais voilà, j'arrivais pas à avoir beaucoup d'or et beaucoup d'élixir. Et quand j'ai découvert cette technique, donc voilà, depuis mercredi, je joue quasiment tout le temps. Toutes les 3 minutes, je me connecte et je récolte beaucoup d'or et beaucoup d'élixir. Donc voilà, depuis, mes ouvriers ben, sont tout le temps actifs. Il n'y en a aucun inactif, alors qu'avant, il y en avait 4, il y a 4 ils étaient inactifs. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, je vous conseille cette technique voilà, de faire partager à tout le monde pour que tout le monde
puisse améliorer toutes ses ressources, quoi. Enfin, améliorer ses défenses, tout ça. Comme ça, vous pourrez progresser beaucoup plus rapidement sur Clash of Clans. Donc voilà, j'ai gagné 20 millions. 20 millions. Voilà, attends, je vais vous montrer les stats. Voilà, environ 20 millions. Un peu plus de 20 millions en 4 jours. Donc en gros, voilà, 5 millions par jour. Donc ça va vraiment très très vite. 5 millions par jour, vous pouvez faire beaucoup d'améliorations. Beaucoup beaucoup d'améliorations. Donc là, j'ai 1,8 million et 4 millions d'élixirs. Je vais faire pas mal d'améliorations. Je vais améliorer aussi les sorciers. Les sorciers niveau 5, voilà, c'est vraiment vraiment pas mal. Je vais sûrement améliorer aussi les dragons niveau 3, les PK aussi niveau 2. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je pense que je laisserai cette vidéo une semaine et demie. Une semaine ou une semaine et demie, je pense. Mais voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous allez progresser très rapidement comme je le fais sur Clash of Clans. Allez, à plus.